Namasté, bonjour à tous et à toutes. On vous remercie d'être là depuis tous ces coins différents. On est réunis autour du yoga et cette séance de 1h15 à peu près sur l'introduction au texte yogique. Donc je ferai moi-même la traduction. Donc je suis Fidji Millet, je fais partie de l'association Sois Yoga et je collabore aussi avec le centre yoga de Sarlat. Et je dis bonjour à Isabelle qui nous accueille dans sa salle virtuelle aujourd'hui, et je remercie. Et voilà, donc je vais vous présenter un petit peu Debi Prasad, qui va nous parler aujourd'hui de yoga traditionnel indien. Donc lui-même est indien du Bengale, et il se consacre au yoga depuis plus de 25 ans. Il a été membre pendant très longtemps à l'ashram Sri Aurobindo de Delhi, où il organisait des séances, des stages, des formations de yoga. Il a aussi été formé comme sannyasa à la Bihar School of Yoga en Inde et a été associé à la Ramakrishna Mission du West Bengal. Il a été élève de Swami Ramananda. Il est titulaire d'une maîtrise de yoga et d'un diplôme de yoga de naturopathie, d'une formation avancée de professeur de yoga et également qualifié par la nationale et l'agility test de l'Inde. Il a travaillé comme professeur de yoga dans le département de yoga d'Oro University à Surat, au Gujarat, et a été enseignant également à The Mother School à New Delhi. Il a aussi fait partie des enseignants choisis pour enseigner le yoga à l'étranger du Quality Council of India. Et il travaille comme examinateur également. Mais maintenant, il est installé en France depuis la fin de l'été, donc en Dordogne. Et tous deux, avec nos autres collaborateurs, on va essayer de vous proposer pas mal de choses sur le yoga traditionnel et le yoga intégral de Sri Aurobindo. Voilà. Donc, je demande à Debi de venir. Voilà, vous parlez, je ferai la traduction. Je m'occupe aussi des commandes, donc s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un message sur le chat et j'essaierai de résoudre les soucis. Voilà, à tout de suite. Et juste vous dire qu'à la fin de la séance, on aura une partie de questions-réponses. Thank you, Fidji, for your kind introduction. Merci pour ton introduction. Namaste to all. Bonjour à tous. Happy to see you all together. Bonjour à tous et merci de ravi de vous voir toutes ensemble aujourd'hui. So let's begin this today's session with that very traditional way with Shanti Mantra. Nous allons commencer de façon très traditionnelle avec le mantra Shanti. Sit in any comfortable meditation posture. Prenez une assise confortable de méditation. Hands in Gyan Mudra or Chin Mudra. Les mains en Chin Mudra ou Gyan Mudra. Gently close your eyes. Doucement fermez les yeux. Bring your whole awareness to your body. Ramenez toute la conscience dans votre corps. And gradually try to gather your whole consciousness to yourself. Et petit à petit, recueillez toute votre conscience, votre présence à l'intérieur de vous. Prepare yourself, make yourself very receptive. Préparez-vous, devenez de plus en plus réceptif. Now, let's chant 3 times. Om together. Nous allons chanter 3 fois le mantra Om. Take deep breath. Om.
Now, Shanti Mantra, repeat after me. Maintenant, le mantra Shanti, répétez après moi. Om Sahana Vavatu. Sahana Vunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvina Vadhi Tamastu. Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Feel the vibration of the mantra. Sentez la vibration du mantra. Gradually bring our awareness back to your body. Et emmenez petit à petit la conscience dans votre corps. Rub your palms. Frottez vos mains. Touch your eyes and gently open your eyes. Touchez vos yeux et ouvrez-les délicatement. So this is one beautiful mantra. In ancient time, most of the classes begins with this mantra. This is belong from Katha Upanishad. Donc ce mantra qui appartient au Katha Upanishad était un très beau mantra pour commencer une séance. Il était généralement chanté en début de séance. So this mantra meaning is very beautiful. Saha means both, that we both, the teacher and student, praying to the Almighty, that we should gain the same knowledge, same power. Et donc, sa signification qui était très belle veut dire que l'élève et l'enseignant, tous deux, doivent être dans l'ouverture d'apprendre. Tous deux sont sur le même chemin. Since that Vedic time, it is considered that teachers and students, they both are the follower of the same path. There is no hierarchy between teacher and students. We both are praying and moving towards the same direction. Et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre un professeur et un élève. Tous les deux sont sur le même chemin, avec la même aspiration. Et tous les deux cheminent ensemble. Now coming to today's topic, so nowadays most of the researchers and scholars, they realize a crisis in the field of yoga. En revenant au sujet de la séance d'aujourd'hui, énormément de chercheurs et de spécialistes du yoga se rendre compte qu'il y a une véritable crise par rapport au texte, à l'accessibilité des textes. So the crisis is there is a lack of understanding of the historical overview of yoga. Il y a un manque général de références historiques dans tout ce qui se retrouve. C'est un peu confus. And that is because of non-availability of the yogic literature. Et ceci est dû à un manque en fait d'accès à cette littérature yogique. Nowadays, when we are talking about yoga, it is based on the few surface techniques and the few philosophy such as Bhagavad Gita, Hatha Yoga Pradipika, Patanjali Yoga Sutra and Gharendra Samhita, but nothing beyond that. Donc, ce qui est en fait connu de façon plus superficielle sont certaines techniques, certaines pratiques et certains textes qui sont mis en avant comme le Bhagavad Gita, le Hatha Yoga Pradipika, le Gharanda Samhita, Patanjali Yoga Sutra. Et Patanjali Yoga Sutra. Yeah. So now, whenever we are talking about the historical territory of yoga, it's begin from the Indus Valley Civilization. Et si on parle de l'histoire du yoga, de ses origines, il faut se référer à la vallée de l'Indus. So Indus Valley Civilization was existing in the eastern part of western part of India and some part of the Pakistan. Donc cette civilisation de l'Indus Valley, de la vallée d'Indus, existait en fait, on pouvait la situer sur le nord ou est de l'Inde.
Pakistan et également Pakistan and Afghanistan. Yeah, yeah. So western part of India, Pakistan, some part of Pakistan and Afghanistan, and later on they move inside the India side of the Himalaya and the, that area called the Sapto Sindhu, the seven rivers area. Ensuite, toute cette population a migré à l'intérieur de l'Inde, à travers l'Himalaya, à travers différentes zones, et ça s'appelle les Sapto Sindhu, qui sont les sept rivières. So the Proto-Shiva seal and few other seal found in that Indus Valley civilization, that is the earliest evidence of the yoga. So you can see this Proto-Shiva seal and the other seal. Donc, les évidences de l'existence de cette civilisation remontent à ces sceaux anciens qui ont été retrouvés. On peut voir des figures de méditation. So these are the most ancient evidence of the yoga, that yoga was existing during that period of Indus Valley civilization or Harappa civilization or Mohenjo-Daro civilization. Et donc ceci est une preuve de l'existence de cette civilisation. So these people, those was existing in that, those were living in that Indus Valley civilization and gradually moves inside the India, they used to call actually Hindu. So there is no as such religion called Hindu. Et donc faussement on pense au mot hindou comme une religion, mais en fait c'est ces générations de personnes qui sont venues depuis la civilisation du vallée d'Indus qui ont migré. C'est ce qu'on appelle les hindous. And these people who was following all this Vedic, Tantric and the other Upanishadic tradition. Et ces personnes suivaient des traditions tantriques, des Upanishads, différentes traditions que qu'on peut retrouver. So the most ancient book, that is Rig Veda. So Vedas are the most ancient book. Les Vedas sont les écrits les plus anciens qu'on a retrouvés. It is written almost 3000 years BCE. Donc ça signifie 3000 ans en arrière, avant Jésus. Now Veda itself never used the term yoga, but they use the term yok. Yok means like kind of yoga chariot. Et les Vedas n'utilisaient pas le terme yoga, mais yok, qui veut dire en fait le chariot. So you can see in this slide. So these are the core Indian yogic scriptures. Et on peut voir sur l'image, sur la présentation, ce sont les représentations des anciens textes, les principaux. So there are like four Vedas, the Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Atharva Veda. So they're the most ancient texts, that is the four Vedas. Donc les plus anciens, ce sont les quatre Vedas que l'on voit ici en haut à gauche. Then there are six Vedanga. Vedanga, it is part of the Veda. So there are part of the Vedas. Ensuite, il y a les six Vedanga qui en fait découlent des Vedas. Then Upavedas. Upavedas is like sub-Vedas, developed after the Vedas. Et les Upavedas ont été développés a posteriori. So like Ayurveda is part of that, economics is part of that. L'Ayurveda, l'économie, fait partie de ça, par exemple. Even music, dance, art. La danse, les arts. Even art of war, so everything was part of that. L'art de la guerre, également, était partie de ça. So Veda was not only talking about the yoga or like spiritual life, but they was talking about the overall life. So everything they considered part of the life, part Veda, of spirituality. En fait, tout était, toutes les dimensions de la société, de l'individu, étaient contemplées. Hein? Ce n'était pas uniquement limité à certaines choses, mais tout, la politique, la sociologie, tout était intégré dans la vie. Tous les aspects de la vie. After the Vedas, there is another period called Upanishadic period. Après les Vedas, il y a la période des Upanishads. And when you are talking about Upanishads, so there are two kinds of Upanishads. There are major Upanishads and the minor Upanishads. Et quand on parle des Upanishads, il y a les Upanishads majeurs et mineurs. You can see in the list, these 10 Upanishads, Taisha, Kena, Katha, Prashna, Mandukya, Mandukya, Ettariya, Tettariya, Chandagya, and Vihadaranyaka. So these are considered as a major Upanishad. Les 10
nommés sur la liste, hein, sur l'écran, représentent les Upanishads majeurs. And then there are few minor Upanishads, that is more than 200. Even there are few Upanishads considered as a yoga Upanishad. They are talking about yoga only. Et donc, il y en a plus de 200 qui représenteraient les Upanishads mineurs. And the yoga, sorry? Yeah, there and few of, among them considered as a yoga Upanishad. Et certains d'entre eux sont considérés comme les yoga Upanishads. So after the Upanishad, there are like six philosophy schools of India that known as darshanas. Ensuite, il y a les six écoles de philosophie qui sont la philosophie indienne qui sont les darshanas. So those are Naya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Mimamsa, and Vedanta. Vous pouvez retrouver sur le document, il y en a les six. So you can see that yoga, it is part of one of the philosophical school. And when you are talking about yoga here, that means that is Patanjali Yoga Sutra, written by Patanjali. Et donc, quand on parle du yoga dans cette liste, on se réfère au Patanjali Yoga Sutra, les Yoga Sutras de Patanjali. After that, agamas. Agamas are nothing but the tantras. Tantras known by the agamas and the nigamas, whatever thing spoken by Lord Shiva, that known as a tantra. Les agamas qui sont en fait les tantras, qui sont en fait expliqués par le dieu Shiva. So then agamas are also divided in three parts, Vaishnava agama, Shaiva agama and Shakta agamas. Et donc ils sont eux-mêmes divisés en trois parties, Vaishnava, Shaiva and Shakta. And there are more than 200 texts on this subject. Il y a plus de 200 textes sur ces tantras, sur ces agamas. Then you know the two very popular epics called Ramayana and Mahabharata, those considered as a history. Et ensuite la littérature épique ou historique qui regroupe le Ramayana et le Mahabharata. And popular text Bhagavad Gita, that is also part of the Mahabharata. Et le texte populaire de la Gita qui est en fait fait partie de la Mahabharata. Then after that, coming to the Puranas. Donc ensuite il y a les Puranas. And Puranas are like the same concept developed basis on the stories by the name of God and goddesses. Et qui en fait étaient construites sur des histoires entre les dieux et les déesses. So you know the major technique to transmit the knowledge, that is through the stories, through the rituals and through the symbols. So that is the Indian method to transmit the knowledge. So Puranas are the method through the stories. La meilleure façon de transmettre de transmission en fait c'est à travers les histoires, à travers les rites et les Puranas en fait se basent sur ça. C'est une façon ancienne indienne de transmission. So this is just like a basic familiarity with the roots of the yoga. Now I just like to give you some glimpses that what kind of content this scripture was holding. Et donc tout ça c'est pour vous mettre en contexte de voir de vous représenter les écritures du yoga, mais ensuite je voudrais vous donner quelques autres éléments qui sont importants. That this text looks like a yoga text, but this text also talking about science, politics, economics and every aspect of the life. I'll give you some example. Tous ces textes qui sont des textes aussi yogiques et qui vont contempler toutes les dimensions de la vie, que ce soit les sciences politiques, que ce soit l'histoire, tous les aspects, la santé, tout y est. Yeah, we can go to the next slide. So like you can see this image it is from the Vishnu Puran. So whenever we are talking about Lord Vishnu, so Lord Vishnu have many avatars. Donc vous pouvez voir sur l'image suivante, c'est une représentation, un avatar de Vishnu, hein, donc qui est mentionné dans les Vishnu Puran. And this text developed more than thousands years BCE. Et ce texte en fait est de plusieurs milliers d'années avant le Christ. So if you go to those sloka, you will get that few clue that like the earth is round. So this concept they had from the beginning. Et donc, il y a différents slokas qui font référence au fait que la Terre est ronde.
Et donc ceci, il y a des millions d'années, était déjà écrit. And few words, like from the ancient word, from the Sanskrit word, you will understand their concept. Et certains mots en sanskrit ont un concept à eux-mêmes. Like bhugol, in geography, in Sanskrit language, we call bhugol. Bhugol en sanskrit, qui est un mot désignant la géographie. And bhugol means the earth is round. Et qui veut dire en fait la terre est ronde. The earth we also known by another name, that is jagat. Jagat means that things is always moving. Et la terre est aussi référencée par le nom jagat, qui veut dire ce qui est tout le temps en mouvement. So Indian rishis, they always have the clear concept of that earth, it is round, earth is not flat at all, and earth, it is always moving. It is not that sun moving surrounding the earth, but it is earth, it is always moving. So this concept they had from the beginning and only because of power of yoga. Et les rishis, donc les saints, avaient cette connaissance et savaient donc que la terre était ronde depuis très très longtemps. Et c'était une connaissance directe qu'il était transmise de yoga, en fait. Et ceci était déjà écrit. Vous avez peut-être... Go to the next slide. Like few traditions, still in India we have few traditions. You can see this right side image that the new marriage couple, they are going to the terrace and observing the twin star. That is, in ancient time they used to call Arundhuti and Basist. On peut observer sur l'image de droite un couple qui vient juste de se marier et qui va sur la terrasse pour aller voir les étoiles jumelles. Ces étoiles qu'on appelle les étoiles jumelles, Vashishta Arundhati, c'est une tradition. And such a symbolic. Why they are observing twin star? Because it is the only two star in the planet that taking the round of each other. It is not one taking the round of other, but it is same time both are taking the round of each other. Such a symbolic of husband and wife. Et donc c'est très symbolique en fait parce que c'est les deux seules étoiles qui sont satellites l'une de l'autre. C'est très rare, c'est un phénomène rare, hein, et c'est très symbolique en fait du mari et de la femme. Then another, the hamster, that is the, like recently scientists realized that is the biggest star in the planet, that 4,000 times bigger than the sun. Et oui, quand on parle de la planète Antar, qui fait 40 000 fois plus la taille du soleil, dans notre système. And from ancient time, Rishi used to call that star by the name of Jyeshtha. Jyeshtha means the elderly person in the family. Et les Rishis appelaient cette étoile Jyeshtha, qui veut dire la personne la plus âgée, la plus ancienne de la famille. So they have this kind of knowledge. And if you read the Patanjali Yoga Sutra, then Patanjali Yoga Sutra saying that how a person can have this kind of knowledge without the modern technology. Et si on lit les Yoga Sutras de Patanjali, on peut découvrir des choses et on peut se poser la question comment on avait accès à cette information sans les instruments modernes et la science de nos jours. You can go to the next. Then few other concepts that you all are aware that Vedic mathematics, they have the concept of zero. That is one of the important part of the Vedic mathematics. Dans les temps védiques et donc les mathématiques, il y avait ce concept de zéro qui est très important. Then go to the next. Even you are aware that, as I mentioned, that one of the sub-Veda, it is Ayurveda. So that also developed more than 2,000 years BCE. Donc les sub-Veda, dont l'Ayurveda fait partie, ont été développés 6 siècles avant le Christ. And one Rishi called Susrut, he developed more than 200 kind of surgery, including plastic surgery and including surgery of the cataract in the eyes. Et donc le Rishi Susrut a développé à lui-même plus de 200 techniques et de protocoles de chirurgie et même aussi comment enlever des objets des yeux, comment opérer des yeux. And you will be very surprised if you there is one video I may refer you later on
that one German doctor explained that the kind of equipments Sushrut developed that time to do the surgery, modern medicine almost following the same thing with little bit of modification. Et donc, il y a une vidéo dont on pourra vous partager plus tard le lien d'un docteur, un médecin allemand, qui explique que la plupart des que c'était incroyable les instruments que le Richie Sushrut avait mis en place, qu'il avait inventé pour faire ses opérations, et que même de nos jours, ce qu'on utilise en chirurgie n'est pas très différent. So going ahead. So now we'll come to the yoga scripture. What is our subject? That what we are going to study. Donc on va aller un petit peu plus en profondeur, voir les darshanas, les écritures qui réfèrent au yoga. So yoga philosophy that is written by Patanjali, that is the first systematic philosophical yogic scripture introduced in 400 to 500 year BCE. En 400-500 ans avant le Christ, les Yoga Sutras de Patanjali est un des premiers écrits qui systématise et qui philosophical system of yoga. Voilà, c'est un système philosophique de yoga qui a été transmis, qui a été mis en avant. And most of the yoga scripture later on Patanjali, they actually consider Patanjali's Yoga Sutra as a fame work of yoga. As a framework of yoga. Yeah, I mean, based on the Patanjali Yoga Sutra, they develop their own techniques and their own philosophy. Et ensuite, d'autres écoles de yoga sont nées, mais toujours en se référant comme base au Yoga Sutra de Patanjali. So, Patanjali Yoga Sutra itself never explained any kind of techniques. Et donc, on ne trouve aucune technique particulière dans le Yoga Sutra de Patanjali. So, like for example, many people may explain you the asanas as a part of Patanjali Yoga Sutra. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent expliquer ce que sont les asanas selon le Yoga Sutra de Patanjali. But if you see from Patanjali's angle, then Patanjali explaining asana through the simple formula, he is saying that sthiram sukham asanam, that asana is a steady and comfortable posture. Mais ce que dit le sage Patanjali, c'est que l'asana est la posture stable et confortable. So Patanjali is not talking about the kind of asanas nowadays we are practicing to get the physical benefit. Patanjali is not talking about that kind of asanas at all. Donc Patanjali ne parle pas du tout en fait des asanas, ce qu'on en pense aujourd'hui, ce qui est utilisé. Aujourd'hui, c'est très différent que la perspective qu'en avait Patanjali. Even if you study the Patanjali Yoga Sutra, you will understand he is introducing few yoga systems like Kriya Yoga and Ashtanga Yoga. Et si on étudie en profondeur le Yoga Sutra de Patanjali, on va découvrir aussi, il y a la mention de Ashtanga Yoga. But that is just like one of the methods. He is not like saying that this is the only system. He mentioned there are many ways to realize yourself or to achieve the highest state of yoga. But these are like just kind of synthesis of few techniques, but there are many, many ways to realize that. Mais il ne se ferme pas en disant que ces techniques-là sont la seule voie. Il explique également qu'il y en a énormément, mais que ceci aussi peut aider sur notre cheminement du yoga, sur la sadhana. Now going to the next. So all these things we can details study in the Patanjali Yoga Sutra. Donc tout ça peut être vu. These are the profondeurs dans les main text. Patanjali Yoga Sutra also considered as a Raja Yoga, although Patanjali himself never mentioned the terms Raja Yoga in Patanjali Yoga Sutra. On considère aussi les sutras de Patanjali comme le Raja Yoga, mais dans les écrits, dans les textes, on ne verra pas la mention de ce Raja Yoga. Hatha Yoga, it is first time introduced in 11th century in the text called Dattatreya Yoga Samhita. Dans le Yoga Samhita, c'est la première fois au 11e siècle que l'on fait référence du Hatha Yoga. After that, in 12th and 13th century, few texts like Yoga Bija, Vasishtha Samhita,
Dattatreya Yoga Samhita, they mention the four kinds of yoga or four schools of yoga. Ensuite, au 12e au 13e siècle, il y a plusieurs textes qui font référence au Hatha Yoga, qui sont the four schools of yoga. So Mantra Yoga, le Mantra Yoga, then Laya Yoga, Laya Yoga, Raja Yoga, and Hatha Yoga. Et Hatha Yoga, les quatre écoles. Raja Yoga, by the name of this term Raja Yoga, mentioned only in one text in 11th century, that is called Amanaska. Donc, le texte Amanaska, au 11e siècle, fait mention du Raja Yoga. And that text introduced some technique of Raja Yoga, such as Sambhavi Mudra, Vajrali Mudra, and all. Donc, on retrouve les techniques dans ses écrits de Vajrali Mudra, d'autres mudras, qui sont décrits, certaines techniques. So one way we can consider that Patanjali Yoga Sutra is the authentic text of Raja Yoga, but other way, the many Hatha Yogic texts, they also introduce Raja Yoga on the basis of mudras. Donc on peut considérer que le yoga de Patanjali est du Raja Yoga, mais que également ce Raja Yoga a été décrit, il y a certaines techniques qui ont été mentionnées sous forme de mudra dans des textes Hatha Yogiques. So these are the different schools of yoga coming from the basis of the ancient yoga text. So like Raja Yoga, Hatha Yoga, Laya Yoga, Mantra Yoga, then Bhagavad Gita introduced three kind of yoga, the Karma Yoga, Yoga of Action, Bhakti Yoga, Yoga of Devotion, Jnana Yoga, Yoga of Knowledge. Et donc on peut voir d'autres écoles de yoga qui sont considérées aussi traditionnelles. Celles qui sont mentionnées que vous pouvez voir sur le document. Next. So these are the basically major Hatha Yogic texts. Donc voici les principaux textes Hatha Yogiques. So like Dattatreya Yoga Samhita developed between 11th to 12th century. Donc Dattatreya Yoga Samhita qui était développé entre le 11e et le 12e siècle. Then Gorakh Samhita, Gorakhnath was one of the yogi who we can consider as a founder of Hatha Yoga. So Gorakhnath and his guru Matsyendranath were the founder of Hatha Yoga. Donc Gorakhnath et Matsyendranath sont gurus qui on peut considérer comme les fondateurs du Hatha Yoga au 13e siècle. Gorakhnath has developed many, many yoga texts like Gorakh Samhita, Gorakhso Satakam. Donc il a écrit énormément de textes, donc dont les textes que Bibi vient de mentionner. Even this last one you can see Siddha Siddhanta Paddhati. Et le dernier, le Siddha Siddhanta Paddhati. Written by Gorakhnath. Qui est écrit par Gorakhnath également. Yoga Vidya is also written by Gorakhnath. Yoga Vidya, oui, aussi par Gorakhnath. Even this Raja Yoga text Amanaska is also written by Gorakhnath. Amanaska pareil. Même chose, écrit par Gorakhnath. So you can find like more than 20-25 major texts of Hatha Yoga written by Gorakhnath. Donc il y a au moins une vingtaine de textes majeurs de Hatha Yoga qui ont été écrits par Gorakhnath. Vasishtha Samhita is again one of the ancient Hatha Yogic texts. Donc Vasishtha Samhita est aussi un texte ancien de Hatha Yoga. And these are the texts, they are not talking about so much asanas and pranayamas like the later Hatha Yogic texts such as Hatha Ratnavali, Hatha Yoga Pradipika and Gharanda Samhita. Et donc il y a pas énormément de mentions des asanas, des pranayamas comme on peut trouver dans les textes plus récents comme le Hatha Ratnavali, Gharanda Samhita. Then Shiv Samhita, so there is no author found that who is the writer of Shiv Samhita, but this is also one of the major Hatha Yogic texts. Shiv Samhita est aussi un texte important et il est d'auteur inconnu en fait. Hatha Yoga Pradipika is the more systematic text in Hatha Yoga. That's why it is like largely published Hatha Yogic text available. Et le Hatha Yoga Pradipika qui est très systématique, très très bien structuré, c'est pour ça qu'il a été beaucoup plus populaire et répandu. Hatha Ratnavali is also mentioned several techniques of Hatha Yoga. Among all these texts,
only Hatha Ratnavali gives the lot of techniques of purification, technique of asanas and pranayamas. Dans le Hatha Ratnavali, il y a énormément de techniques décrites de purification de chakrama et autres techniques. Gyanendra Samhita, again, another very systematic text of Hatha Yoga. Donc Gyananda Samhita qui est aussi très systématique. But Gyanendra himself never called his yoga as in by the name of Hatha Yoga, but he considered his yoga, it is Ghatastha Yoga. Mais l'auteur considérait son yoga comme Ghatastha Yoga. Ghatastha Yoga. Ghatastha Yoga. Because, et pas comme Hatha Yoga. Because Gyanendra considered this being by the name of Ghata. Ghata means clay pot. Parce qu'il considérait l'être en fait comme un pot en terre. So he is giving the yoga to fulfill the ghata, that how can you be success to fulfill this ghata, that this clay pot become like a raw clay pot will become like a prepared clay pot. Et donc son concept c'était comment préparer ce pot en terre, comment le remplir, comment le pour qu'il devienne un pot consistant. Like as the raw clay pot, generally we put in the oven and prepare it so it cannot break. Similarly, Gyanendra saying that this ordinary body we should put in the path of yoga so that it will be prepared. Donc c'est comme si on fait un pot en terre et on va le cuire à haute température dans un four pour le consolider. De même façon, il décrivait cet être. En le mettant sur le chemin du yoga, on le consolide comme cette image du pot de terre. Siddha Siddhan Paddhati, it is one of the texts that gives you the lot of yogic concepts. Donc, Siddha Siddhanta Paddhati donne énormément de différents concepts yogiques. If you study the Siddha Siddhan Paddhati, then none of the single yogic concept will left. You will understand the whole yoga. Et donc, il y a énormément de concepts, ça couvre vraiment de façon très globale et très détaillée tous ces concepts. Basically, Siddha Siddhan Paddhati explains the connection between this individual body and the cosmos. Et donc, ça explique en fait la connexion entre cet être individuel et le cosmos. It gives the central key principle of yoga. In Sanskrit, there is one sentence called "Jatha pinde tatha brahmande." Et donc, ça venait décrire les principes du yoga. Et donc, à travers cette "Jatha pinde tatha brahmande" means phrase en sanskrit. Whatever things are there in the universe, that things exist in the individual being. Et le concept est tout ce qui existe dans l'univers existe dans l'être individuel également. So if you realize the individual being, you'll realize the whole universe. Et en réalisant l'être individuel, on peut réaliser tout l'univers. In Patanjali Yoga Sutra, there is one sutra they call that if you practice the samayama in certain point, you'll get the knowledge of the whole universe and the planets. In Yoga Sutra. Yeah. Dans le Yoga Sutra, on dit que si on pratique samayana, on peut avoir la connaissance de tout l'univers à travers notre pratique. So samayama, it is the dharana, dhyana, samadhi. The concentration, meditation and the samadhi, three things together called samayama. Samayama, c'est donc ces parties qui sont la concentration, la méditation et samadhi. So these three, samayama, these three things together, if you practice in separate point and the object, meditation object, then you can realize the certain things. Et donc on dit qu'en se concentrant sur différents objets et en faisant cette pratique, on peut réaliser tout l'univers. Now also text explain that what should be the quality of a student. So there are method and there are qualities they are talking about. Dans les textes, il y a des méthodes qui sont décrites, mais aussi également quelle est la façon d'apprendre? Quelle est la façon d'intégrer? So first they call the pranipata. That means kind of surrender, kind of devotion, kind of aspiration. That is the first quality of a yoga student or of a yoga teacher. Les qualités qui sont importantes
pour une personne, un étudiant, une personne qui, ou un aspirant, c'est ce dévouement, c'est cette aspiration qui doit être présente. So like who don't have that kind of aspiration, that strong inner hunger to know the things, then they are not like considered as a path of the aspirant in this field. Donc sans cette faim de connaissance, sans cette envie profonde, cette motivation, on ne peut pas être un aspirant, un étudiant. Then second important step, it is called the pariprashna. That means ability to ask the question or re-question. Et donc le pariprashna, qui est le deuxième point, qui est en fait la capacité de re-questionner, c'est de poser une question et d'aller encore plus loin, de poser une question dans la question. In Vedic time, that student don't know how to ask the question or how to properly formulate the question, they never take them or receive them as a student or as a disciple. Et donc, la façon dont l'étudiant posait des questions dépendait aussi de aller définir s'ils étaient pris comme étudiants ou pas. Parce que ça donnait des informations sur cette capacité de questionnement et d'analyse. So question, it is the first symptom of the spiritual field, that you have a question and you want the answer, and that's why you are following the path of yoga. Donc un des symptômes du chemin spirituel, c'est les questions. C'est là où ça commence. C'est ce questionnement, en fait. And the third thing is seva. So seva, it is like, I don't know how to explain the seva, but you know, in ancient culture, there was nothing that called the fees paid and all. So student used to give the seva, that complete surrender with the physical effort and providing all other things to run the system. Donc seva, anciennement, en fait, il y avait cette tradition de rendre un service pour honorer l'enseignement reçu à travers, ça pouvait être un service physique, ça pouvait être un service n'importe. Enfin, c'était traditionnellement comme ça. Then we need to understand that what are the method of the study. So study the scripture, because see, scripture, they explain the things with a sutra or a sloka, that is just two lines. Donc les méthodes d'étude étaient aussi importantes et elles sont décrites dans deux slokas. So sloka is not giving you the whole explanation of any kind of practice or any kind of principles. So within two slokas, you need to understand that what Rishi is trying to say. Et donc c'était condensé ce que le Rishi voulait transmettre à travers deux slokas qui parlaient de la méthode et de la façon. So this is very, very important that you need to understand. You study the scripture under a teacher or study your own. You need to follow these three steps. Est-ce que l'on choisisse d'étudier les textes yogiques par soi-même, seul ou avec l'accompagnement d'un professeur? C'est important de comprendre tous ces concepts, de les appliquer. So first step, it is called the Shravana or Pathan. La première étape, Shravana or Pathan. Shravana means listening. If you are attending a lecture of the teacher, then listen to the teacher. Donc c'est la capacité d'écoute quand on écoute, quand on écoute un professeur ou un enseignement. Or Pathan means reading. Otherwise, if you are reading, then read and try to get the information. So getting the information through listening or through reading, that is the first step. Et Pathan, à travers la lecture, d'absorber les transmissions à travers la lecture. Donc c'est de lire et écouter. After that, it is like manan and chintan. Through the process of thinking and rethinking, you need to summarize whatever information you collect. Ensuite, manan et chintan, qui est en fait l'absorption de l'information qu'on a reçue, de pouvoir l'analyser et de façon cognitive, de la recueillir dans le processus d'apprentissage. Like today you are attending this 1 hour lecture. Obviously you cannot remember all the things and all the things may not be useful, but you will take the substance out of this 1 hour lecture. That's called the manan and chintan. Par exemple, aujourd'hui on est à cette séance, pendant une heure, vous allez sans doute pas retenir toutes les choses qui sont expliquées, mais vous allez repartir en ayant pris la substance. L'essence ou la substance qui en dégage.
Et c'est ça, en fait, c'est ce processus de prendre ça, ce qui nous est utile et ce que l'on peut assimiler. So, with your own understanding, by using your own intellect, own thinking process, you need to take whatever things you want to receive from there. Et avec notre intellect, avec notre esprit analytique, on va prendre ce qui nous est utile. On va trier l'information que l'on reçoit. Il y a une partie que l'on va peut-être pas prendre et une autre que l'on va intégrer. Now the next step, it is called Nididhyasana. Nididhyasana is actually literally translation of meditation. Et Nididhyasana, en fait, qui signifie méditation. So Nididhyasana, what it is, that whatever things you understand, whatever things you receive, now you need to apply in your life. That's called Nididhyasana, that following that or applying that in your life, that is the meditation, that is the Nididhyasana. Donc ce concept de méditation, c'est de rendre vivant, utile, les enseignements que l'on reçoit. Ils ne restent pas uniquement en tant qu'information stockée, mais qu'on puisse l'appliquer, qu'on puisse l'intégrer à notre vie. So now, what is our planning? That we are going to start the course, and in the first semester, we are going to study these three texts, the Yoga Sutra of Patanjali. That is very important because most of the texts are developed on the Patanjali Yoga Sutra. Donc, en fait, cette séance, on vous a tous invités, et serait la première séance aussi pour présenter le projet que nous avons pour ce premier trimestre de 2022 avec l'association Sutra Yoga et le centre de yoga de Sarlat. C'est de pouvoir étudier de façon hebdomadaire jusqu'au mois de mars différents textes en commençant par le Yoga Sutra de Patanjali pour les personnes qui seraient intéressées d'approfondir. Then, Hatha Yoga Pradipika, written by Satmaram. Voilà, vous avez les noms des auteurs, donc le Hatha Yoga Pradipika par Satmaram. Then Gharendra Samhita, written by Gharendra. Gharanda Samhita, qui a été écrit par le Rishi Gharanda. And after study all these three scriptures, we can again synthesize that whatever things you understand and whatever things you learn. Voilà, donc on a divisé les différentes séances et la dernière, ce serait une synthèse, peut-être à travers des questions, pour voir si ça a bien été intégré ou si on peut revenir. So in Patanjali Yoga Sutra, if you talk about Patanjali Yoga Sutra, it is written 400 years BCE. Donc si on parle du Yoga Sutra de Patanjali, donc ils ont été écrits 400 ans avant Jésus, avant Christ. Popularly, it's known by the name of Raja Yoga or Ashtanga Yoga. Donc connu sous le nom de Raja Yoga ou Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga because Patanjali talking about the eight limb system of yoga. Et donc on parle des huit membres du yoga. Ashtanga qui veut dire 8 sans sanskrit. This text, Patanjali, call it is sutra. It is not slokas. It is sutra. Sutra means like a string or thread. So there are total 196 sutras are there. Et donc il y a 196 sutras. Et en fait, ils ne les appellent pas slokas. Sutra veut dire comme une corde, comme un fil. So sutra is kind of like a mala, the garland. That one thread connecting all the seeds. So that's called the sutra, that holding all the seeds. Comme un mala ou comme un collier qui relie en fait tout, cette corde qui relie toutes ces connaissances. And Patanjali divided 196 sutras in four chapters. So four chapters, first chapter called Samadhipada, there are 51 sutras. Donc il a divisé ces quatre chapitres, tous ces sutras. So here Patanjali talking about Patanjali actually talking about 10 different kind of samadhi and the different ways to achieve the samadhi. Donc il décrit 10 types de samadhi et comment réaliser ces samadhi. Then sadhanapath, Patanjali explain the techniques that what kind of sadhana you need to do to achieve the samadhi. Donc sadhanapada en fait se réfère aux techniques pour atteindre ces samadhi. Then in vibhutipath, Patanjali explain that by doing the sadhana and what kind of sadhana, what you can achieve, that is called vibhuti. What things you achieve by the process of sadhana or power of sadhana, that achievement is called vibhuti. Donc les réalisations ou les fruits sont appelés le vibhuti. Quand on suit cette sadhana, qu'est-ce que ça nous apporte? And the
final chapter, the Kaivalya Pada, Kaivalya is like a liberation, Kaivalya is like a moksha and mukti. So then Patanjali explained the different concept of the Kaivalya in the final chapter. Kaivalya qui veut dire la libération. En fait, ce chapitre est sur les différents concepts autour de la libération. Basically, what we need to understand from the Patanjali Yoga Sutra. So, in details, we'll explain that each sutra having the big content itself. Pendant ces séances, on ira plus en détail pour comprendre les différents concepts décrits dans le Yoga Sutra de Patanjali. And here we'll try to understand everything from the neutral scholarly angle. On va essayer de comprendre en fait depuis un point de vue neutre et plutôt orienté académique. So like if we take this Patanjali's definition that yogascha chitta vritti nirodha. Donc si on prend cette définition du yoga de Patanjali. So this there Patanjali talking about three words that yogascha yoga chitta and vritti nirodha. So this donc, il parle de trois concepts de yoga chitta and vritti. Yeah. So what is chitta? So we'll understand from scholarly angle that how chitta explained by the different yogis and different scholars. Donc on va pouvoir explorer le concept de chitta à travers différents yogis et différents spécialistes de yoga. So like in general, we translate chitta as a mind, but chitta is not the mind at all. En fait, on traduit de façon un peu erronée ou peut-être de manque de mots chitta par esprit. Like if we see the chitta from the Vasishtha, you know, Patanjali Yoga Sutra, there is no the original manuscript as evidence. There is no original manuscript available. Alors, comme évidence de Yoga Sutra de Patanjali, on n'a pas les écrits originaux. So what is available, that is the commentary written by the Vyasa. Mais par contre, ce qui est accessible, c'est les commentaires faits par Vyasa. So Vyasa also, in his commentary, explained many things that is not visible in the sutra. Et dans ses commentaires, il fait référence à beaucoup d'autres choses qui ne sont pas visibles dans le Yoga Sutra de Patanjali. So Vyasa explained the five level of the chitta. Il explique les cinq niveaux de chitta. So like kipta, vikipta, ekagra, nirodha. So there are five layers of the chitta. Différentes couches qui forment ce chitta. Then chitta, it is actually part of antakarana. Chitta qui fait partie en fait des antakarana. What is antakarana? Antakarana is like an inner being or inner substance. En fait, qui signifie la substance interne ou intérieure. And mind, intellect and ego. These three things together consider the antakarana. L'esprit, l'intellect et l'ego, ces trois ensemble sont considérés comme le antakarana. So when we are talking about chitta, indirectly we are talking about mind, intellect and ego together. Donc quand on parle de chitta, c'est important de voir qu'on parle en fait pas uniquement de l'esprit mais avec l'intellect et l'ego. Then we'll need to understand what is vritti. Et ensuite, on va pouvoir comprendre les vritti. So Patanjali talking about five kinds of vritti. Donc il y a cinq types de vritti. So Patanjali talking about pramana, viparjaya, vikalpa, nidra, smriti. These five kinds of vritti. Les cinq fluctuations mentales. So we'll understand in detail that what are the five kinds of vrittis. Donc on peut aller explorer, comprendre ces concepts. Then how to stop the vrittis or how to make the consciousness free from the vritti, then Patanjali explained the techniques. Et aussi, également, il y a les techniques pour, une fois qu'on comprend ces vrittis, comment rendre notre conscience plus limpide de ces vrittis. In Hatha Yoga Pradipika. So Hatha Yoga Pradipika is also known by Chaturanga Yoga. Donc le Hatha Yoga Pradipika est aussi Chaturanga Yoga, the four limbs yoga. Connu comme le Chaturanga Yoga, le yoga des quatre membres. As Patanjali Yoga is known by Ashtanga Yoga, eight limbs yoga,
Hatha Yoga Pradipika known by four limbs yoga. De la même façon que le Raja Yoga est connu comme Ashtanga, donc les huit membres, le Hatha Yoga est connu par le nom des quatre membres, hein, Chaturanga. So these four limbs are asana, pranayama, mudra and nadanushandhan. Donc ces quatre membres sont les asanas, pranayama, mudra et nadanushandhan. So Satmarama explained 15 asanas, 8 pranayamas, 10 mudras and the nadanushandhan. Donc il y a 15 asanas, 8 pranayamas, 10 mudras et les nadanushandhan. Satmarama also explained about the yama niyama, even he explained 10 yama and 10 niyamas. Donc Satmarama explique également les 10 yamas et les 10 niyamas. Patanjali Yoga Sutra explains only 5 yamas and 5 niyamas. Dans le yoga de Patanjali, on retrouve 5 yamas et 5 niyamas. Then Satmarama also talking about very important aspect of sadhak tattva and badhak tattva. That what are the things very helpful in the path of sadhana and what are the things create obstacles in the path of sadhana. Et donc il parle également de sadhak tattva et badhak tattva qui explique en fait qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui facilite la sadhana et qu'est-ce qui en est des obstacles. And then it's also talk about satkarmas. So satkarmas are the purification technique. Il parle également des processus de purification, les satkarmas. But Satmarama not considering these are like an essential part of the yoga, but it is like a suggested as a helpful part of the sadhana. Mais Satmarama considérait les satkarmas pas comme une partie essentielle de la sadhana, mais c'était suggéré, c'était conseillé comme technique possible. So like if you go to Gherendra Samhita considered that satkarma, it is an essential part of the sadhana. Par contre, dans le Gherendra Samhita, les satkarmas sont une partie essentielle. But Satmarama considering that before practicing pranayama, if there are impurities in the nadis, then you can go through the process of satkarma. Par contre, depuis le point de vue de Satmarama, s'il y a des impuretés dans les nadis, dans les canaux subtils, alors on peut pratiquer les satkarmas. Next text, it is Gherendra Samhita, written in 18th century by Rishi Gherendra, and it is known by Ghatastha Yoga or Saptanga Yoga. Donc le Gherendra Samhita qui est écrit au 18e siècle par le Rishi Gherendra et qui est aussi connu sous le nom de Ghatastha Yoga Saptanga. So why it is called Saptanga Yoga? Because Gherendra talking about the seven limbs yoga. So il est nommé ainsi parce qu'il parle des sept membres. So what are the seven limbs yoga? So Gherendra beautifully explained in one of the sloka. Gherendra expliqué dans une sloka de façon très belle, différente. C'est sept parties. So this sloka is Sodhanam Dhirata Chaiva Sthaira Dhaiva Cho Laghavam Pratyaksham Cha Nilliptam Cha Ghatastha Sapta Sadhanam. So Gherendra talking about these seven kind of sadhana. First it is Sodhanam, is purification. D'abord, il parle de ces sept parties de Sodhanam qui est la purification. Through the satkarmas. À travers les satkarmas. Then, virata, the strength. Ensuite, la force. Through asanas. À travers les asanas. Sthairam, the steadiness. La stabilité. So, through the mudras. À travers les mudras. Then, dhairam. Dhairam. Patience. La patience. Calm. Le calme. Pratyahara, through the pratyahara. À travers la pratique de pratyahara. Then laghavam, the lightness. Laghavam, donc la légèreté. Through the pranayama. À travers le pranayama. Pratyaksham, the direct realization. Pratyaksham, qui est la réalisation directe. Through the dhyana. À travers dhyana. And nilliptam, becoming one with the higher consciousness through samadhi. Niliptam, en fait, c'est de se dissoudre et de devenir un avec une conscience, la conscience universelle. This is a text. This text actually talking about 102 kind of practice. Et ce texte parle de 102 différentes types de pratiques. This text introduce more than 50 kind of purification technique.
Et donc, il y a plus de 50 différentes techniques de purification qui sont décrites. 32 asanas. 32 asanas. 10 pranayamas. 10 pranayamas. Then 20 mudras. Et 20 mudras. Then 3 types of meditation. Et 3 types de méditation. And then 6 kind of samadhi. Et 6 types de samadhi. So these are the texts, like it is recommended that yoga follower and yoga teacher should study to understand the historical overview of the yoga. Donc c'est important en tant qu'enseignant de yoga ou pratiquant de yoga de comprendre le contexte, l'histoire et les concepts de ce Hatha Yoga. So along with our physical practices and physical perfection, if we have the concept of the subtle being, then that can be like a complete or integral part of the yoga. Donc, à part la maîtrise en fait du corps, de l'esprit à travers différentes techniques, la maîtrise des techniques, c'est important de faire partie de notre sadhana, d'avoir une clarté sur les concepts sur lesquels il repose, sur la philosophie sur laquelle il repose, et de comprendre d'où ils viennent. Then there are obviously many other ancient scriptures, many other yoga Upanishad, they are also talking about the yoga, they have different concepts, they mention about different schools of yoga. So one by one, we may study all the texts according to the interest of the participants. Et donc il y a énormément d'autres textes ici, c'est bien sûr les plus répandus, ceux dont on a le plus accès, mais il y a effectivement énormément de choses qui peuvent être étudiées, on peut aller en profondeur. Et pour ceux qui veulent s'unir à ce voyage ensemble à travers les textes yogiques, avec beaucoup de plaisir, on pourra étudier ces textes ensemble, même selon ce qui vos intérêts et vos propres aspirations, proposer d'autres textes peut-être plus tard aussi. J'aurais voulu savoir si vous alliez nous les montrer, les faire pratiquer, les asanas et les mudras qui sont dans ce que vous présentez, dans votre présentation. D'accord. Anne Garoud is asking if we are going to have some demonstration on the mudras, asanas described on the text, apart from studying. Pranayama. Yes, that we can do. Means like what is, like you will realize that many asanas, generally, we practice in our yoga class in different way, but scripture mentioned in their own way. That is, there is a difference between what we practice and what scripture mentioned. Oui, bien sûr, ça fera partie de l'étude en fait de ces textes, et parce que c'est important de voir aussi ce que l'on pratique pour nous. Qu'est-ce qu'on pratique les asanas, les pranayamas, et ce qui en est décrit dans les textes et les subtilités entre un texte et un autre. And that is one of the beautiful things. Like if you go through the ancient text like Yoga Bija and Dattatreya Yoga Samhita, then you will see that they also mention the pranayama, but they mention that how can you pranayama along with the Bija mantra and along with the visualization. So that means for them, yoga, it is not only a physical or breathing technique, but along with that, you need to meditate or visualize something and practice along with the Bija mantra. Donc on va explorer ces textes, on peut voir aussi la subtilité de la pratique qui n'est pas simplement de faire un geste physique, d'inspirer ou d'expirer, mais en même temps, il y a d'autres dimensions subtiles qui interagissent avec l'énergie de poser son attention, sa présence dans la pratique, la visualisation en même temps que la pratique physique et aussi l'état psychologique, c'est-à-dire on va voir que c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus qui travaille sur plusieurs niveaux en fait. C'est tous les koshas. Voilà, tous les koshas coopèrent. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ah, il y a une autre question. Est-il possible d'expliquer succinctement ce qu'est la Nadanushandhan? So if you can explain Nadanushandhan. Nadanushandhan, it is related to the nada, and nada, it is the sound.
So it is related with the chakras, it is related with the nadis, and the produce these the sound from the nadis and from the chakras. So it is chakra related practices. So des pratiques en fait en relation avec les chakras et nada qui veut dire le son. Donc c'est les sons qui sont connectés à chaque chakra, non? Chakra. It is actually a technique of laya yoga. Et c'est une technique qui appartient au laya yoga. Laya means observe, that when your consciousness lost or observe or mix with the higher consciousness. Donc le laya yoga qui veut dire la dissolution, quand on dissout notre conscience avec la conscience, une conscience supérieure. Ça fait partie de leur technique. And Satmarama mentioned that there are more than 100 layas mentioned by Lord Shiva, and Nadanusandhan is among the best laya. Donc le dieu Shiva mentionne plus de 100 techniques et on dit que c'est une des meilleures, une des principales. Cette technique de Nadanusandhan. Then there are mentioned that Satmarama mentioned there are 4 stages of laya yoga. Satmarama décrit 4 états en fait, étapes. So like Parambha Avastha, Ghata Avastha, Parishaya Avastha. So beginning stage, middle stage, final stage. So 4 stages of Nadanusandhan explained by comment procéder par étape, au centre, après vers la fin, comment faire tout ce déroulement. And this Nada Yoga we are practicing in our course that on chakra sadhana or like balancing the chakra through the 5 elements. So there we are practicing that. How can you practice Nadanusandhan with the rotation of consciousness, with breathing with the chakra, with meditation with the chakra. So there are several techniques. Donc on pratique, on a certaines formations, modules, on fait des techniques sur les chakras et on utilise des techniques semblables. Où on fait une rotation de la conscience avec les chakras, on inclut les respirations, on inclut d'autres concentrations et visualisations. See, this is a huge subject. What I explain, that is kind of like basic introduction of the scripture. Sorry? That what we explain in today's session, that is like a basic introduction of the yoga scripture. Oui, ce que l'on a vu aujourd'hui en une heure de temps, ça fait très court, mais c'est une introduction. C'est pour montrer la richesse et la variété de tous ces textes existants. But like being as a yoga teacher, what you are teaching and what you are practicing, most of that techniques belong from the tantra and the hatha yoga. Mais la plupart des techniques qu'on utilise en étant professeur de yoga, enseignant de yoga, viennent du hatha yoga et des tantras. So when you are talking about the mudra, kundalini, nadanusandhan, chakra related practice, those things are actually belong from tantra. Donc quand on parle des chakras, des mudras, nadanusandhan et des autres techniques, elles appartiennent au tantra. So if you focus on the techniques, most of the techniques you will find in the text of Hatha Yoga and in the text of Tantra. Et donc, on va retrouver ces techniques dans les textes de Tantra et de Hatha Yoga. Like there is one Tantra called Vigyan Bhairav Tantra. Can you write it? Vigyan Bhairav Tantra. So Vigyan Bhairav Tantra talking about 112 techniques of meditation. So, donc ce texte parle à Vigyan Bhairav. Vigyan Bhairav. Bhairav, it is another name of Lord Shiva. Il veut dire aussi le dieu Shiva. So, how many techniques, sorry? 112. Il y a 112 techniques différentes qui en sont décrites. So each sloka explain one technique that how can you meditate with the breath, how can you meditate with the body, how can you meditate with the thoughts, how can you meditate with the different thoughts, different activities, everything. Et donc, il explique comment méditer avec notre respiration, comment méditer avec notre pensée, comment selon nos actions, comment en fait de faire de tout une méditation. There is one question. Yeah, we can take that. But let me complete my sentence. And even nowadays, you know that whenever we are talking about tantra, then it is mostly explained on the basis of sexuality, and that is just like a one technique out of the 112 techniques. Et de nos jours, quand on pense au mot tantra, on pense à des pratiques sexuelles
parce que c'est ce qui en a été mis beaucoup plus en avant. Mais si on le regarde dans sa globalité, en fait, c'est une technique parmi plus de 110 ou de 112. So if people are interested, in future we can also take this Vigyan Bhairav Tantra. We can study and learn the 112 techniques of meditation. Donc on peut aussi, si vous le souhaitez, étudier ce texte et les différents types de méditation. Pour l'étude des textes, est-il nécessaire d'avoir déjà tout lu avant? Ça peut être difficile. Marion is asking if for this study circle is required to have read previously all these texts. No, obviously, see. No one can read this, what text I saw in that slide. No one can read even in one life. Oui, toutes les donc la réponse est non, bien sûr, ce n'est pas nécessaire. Déjà, en mettant en contexte tous les textes qui ont été mentionnés, si on les lit, on n'aurait pas assez de temps en une seule vie. See, honestly saying that Hatha Yoga list I have shown you, that is like part of my research. So I have studied thoroughly several times and all. Then I did the research on all the Hatha Yogic texts. But if I need to go through all the Vedas and all as a research subject, it is not possible in one life. Donc en fait, comme partie de mes recherches et de mon étude, j'ai principalement étudié le Hatha Yoga et les textes du Hatha Yoga, mais je suis peut-être allée plus superficiellement dans les Vedas ou dans Upanishads, dans d'autres écrits. Parce que voilà, ça prend énormément de temps de lire tout ça. Il faudrait plusieurs vies. So like when I study Patanjali Yoga Sutra, then 196 slokas are very familiar with me. I need to know every sloka, and that is like a very close to me. I know them all. Par exemple, pour le Yoga Sutra de Patanjali, c'est un texte qui m'est très cher. Alors, je l'ai lu tellement de fois que je le connais, pour dire presque par cœur. En tout cas, il est très proche de moi et ces 196 slokas, elles sont très présentes. But if I talk about Rig Veda or like that any Puran, they have more than like Rig Veda have 10,000 slokas. Garuda Puran have more than 20,000 slokas. Le Rig Veda a plus de 10 000 slokas. Les autres Vedas ont plusieurs vingtaines de milliers de slokas. Donc... So there are several slokas. How can you study the whole slokas? Donc c'est pas possible d'étudier toutes les slokas. But what I'm trying to say, that being as a yoga teacher, at least study the yoga text. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que professeur de yoga, c'est important de connaître ces textes. So Patanjali Yoga Sutra is one of the very important texts. Donc le Yoga Sutra de Patanjali, c'est très important. Then Amanaska, it is the first Raja Yoga text. Amanaska, qui est le premier texte de Raja Yoga. Dattatreya Yoga Samhita is the first Hatha Yoga text. Yoga Samhita, qui est le premier texte Hatha Yogique. And this text have like 100, 200, maximum 300 slokas. Et ces textes-là ont entre 200 et 300 maximum slokas. So you can study all these donc, texts. Donc, on peut les étudier. On peut déjà aller lire ces textes-là. Another thing, texts are, as I said, that Rishi mentioned their concept in one line. Et les Rishis, en fait, ils condensaient leur concept en une seule phrase, une seule ligne. So once you will study under a teacher, several times you will study your own, and then you will understand their different meanings. Donc quand on étudie par soi-même, on est accompagné avec un professeur, le fait de relire, on va comprendre tous ces sens et toute cette richesse. So like Patanjali first sutra saying, Atha Yoganu Sasanam. Now I am going to narrate the yogic discipline. Sorry, I was just reading, so I was not listening. Now Patanjali in his first sutra says, Atha Yoganu Sasanam. Now I am going to narrate the yogic discipline. Donc il expliquait dans son texte, dans sa sloka, maintenant je vais vous expliquer la discipline yogique. So literally translation is, I am explaining the yogic discipline. Et donc la traduction littérale, c'est je vous explique la discipline yogique.
Now, what is the meaning of yogic discipline and what he is trying to say only by this small sloka? That is completely depend on you, that it is according to your understanding, according to your level of understanding, you will get the actual meaning. Et donc, qu'est-ce que veut dire cette phrase réellement? Mais ça va dépendre de votre propre compréhension de ce qu'elle veut dire. Like his third sloka saying that tadu drashta sarupena vasthitam, then the person will realize his real nature. La troisième sloka qui veut dire en fait ensuite la personne va découvrir, va réaliser sa propre nature. Now what is real nature? Patanjali not explaining what is real nature. So if you study the whole Vedanta, you will understand that what is the real nature means. Et si on étudie le Vedanta, on peut comprendre ce que veut dire la vraie nature. Parce que veut dire ce concept de vraie nature? So we are saying real nature, we are saying self, we are saying being. These are the subjects like it takes few years to understand the concept of the self or concept of the being. Donc pour comprendre ce concept d'être, d'esprit, le concept d'être intérieur, c'est des subtilités, c'est des mots, c'est même difficile de les traduire en français ou en anglais, puis le sanskrit, et ça prend plusieurs années de comprendre ces concepts. That's why, like sometimes, why you need to read a commentary or need to study under a teacher. So, like Sri Aurobindo, one of the great yogi, great philosopher, great poet, so he said that everything we cannot realize in our one lifetime. So that's why, like, if we take the support of the other people who have the experience, then like we can save the time. We can use his experience also. Comme disaient beaucoup de grands yogis, dont Sri Aurobindo, entre autres, c'est que pour se réaliser, il faut plusieurs vies. Mais en fait, en être collectif, on peut prendre les enseignements et les expériences de ceux qui ont été avant nous et de suivre ces lignées, de s'enrichir de ça. Et une partie du chemin est déjà faite et pouvoir s'alimenter de ça, de se connecter à ça. Donc, si vous avez l'intérêt et vous voulez vous unir à ces groupes d'études, vous êtes les bienvenus. Là, on propose ces trois textes pour commencer, mais s'il y a d'autres choses que vous voulez approfondir, même également, Debbie donne des cours aussi individuels pour les personnes qui veulent aussi étudier à leur rythme. Voilà, donc on est ouvert à plein de choses. On vous invite à nous contacter si vous avez envie, si vous avez besoin aussi, si vous avez d'autres questions par rapport à la séance ou besoin de référence, ce sera avec plaisir. But first, I'll suggest focus on the yoga text. Then, if you have interest, you may go for the Upanishad. But obviously, Puranas and Vedas, that we cannot touch. That is a kind of completely separate subject. Donc, je recommande de commencer par les textes yogis et ensuite les Puranas. Upanishad. Et les Upanishads, but not the Vedas, mais Puranas. Mais si on va vers les Puranas et les Vedas, c'est tellement énorme, pourquoi pas, mais voilà. Like six philosophy school, Nyaya, Vaisheshika, Samkha, Yoga, Mimamsa, Vedanta, all are different schools. Like we are yoga experts, then there are experts for all these different schools. C'est six différentes écoles philosophiques de yoga indienne. Il y a des experts dans chaque champ. Il y a pour le yoga, il y en a pour les Vedas, il y en a pour d'autres choses. Donc, on peut aller toucher aussi ça. So in Indian university, especially in Sanskrit university, yoga university, there is different professor for different subjects. Dans les universités, il y a des professeurs qui sont spécialisés dans différents courants philosophiques et qui enseignent ça. And they have done their PhD on different subjects. Et ils font même leur thèse doctorale sur un courant philosophique particulier. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. On espère que ça a été enrichissant pour vous. En tout cas, on était ravis de vous voir, de vous avoir parmi nous pour vos questions. N'hésitez pas à nous écrire, vous avez nos coordonnées. Et on essaiera de temps en temps de refaire des séances comme ça. Merci beaucoup. Merci. Namasté.